Le Code du travail pose 9 principes de prévention applicables pour toute organisation professionnelle. Cela signifie que ces principes s'appliquent pour tous, partout, tout le temps. Ces principes concernent en premier lieu l'employeur. Selon le Code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4120 alinéa 1 sur le fondement des principes généraux de prévention. Ces principes concernent également tous ceux qui préparent ou qui réalisent un travail. Ils structurent la réflexion et l'action des préventeurs et des opérationnels. Quels sont ces principes? Éviter les risques. Il n'est pas question de faire prendre des risques inutiles aux travailleurs. À titre d'exemple, cette entreprise de propreté doit assurer le nettoyage de vitrines de magasins en ville. L'agent de propreté doit parfois nettoyer des surfaces à hauteur, l'exposant ainsi au risque de chute, qui, rappelons-le, constitue la seconde cause d'accident mortel. En utilisant une perche, il pourra réaliser son travail de plein pied et le risque de chute de hauteur sera ainsi évité. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités.